Horoscope 2024, Vierge. Vierge, 2024 sera-t-elle l'année où tout change pour toi? Reste avec moi pour le découvrir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet KLD Voyance. Avant de plonger dans ton horoscope, dis-moi en commentaire comment s'est passée ton année 2023. Si tu ressens le besoin d'une consultation plus personnelle, nos experts sont là pour toi au 01 72 76 09 34. 2024, un optimisme à couper le souffle. 2023 a tiré sa révérence et tu vois l'après à démarrer cette nouvelle année avec optimisme. C'est décidé, tu sauras garder la maîtrise sur tous les domaines de ta vie. Signe du travail par excellence, né à la fin de la belle saison, tu sauras récolter les fruits de tes efforts. En 2024, l'affectif sera ta première préoccupation. Dans cette vidéo, nous explorerons brièvement ta météo astrale, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, ainsi que tes relations familiales et amicales. Embarquons d'abord dans ta météo astrale pour 2024. Ta météo astrale de 2024? C'est décidé, 2024 sera ton année. Tu te garderas l'optimisme et le sens des responsabilités. N'es-tu pas la magicienne de la Terre qui sait faire triompher l'esprit sur la matière? Avec de tels atouts, Jupiter encouragera ta confiance et instaurera une atmosphère rassurante dans toute ta vie. Tu pourras compter sur le soutien d'Uranus, la rebelle créatrice, qui pourrait t'ouvrir des portes dans ta profession. Mais, en négatif, c'est une planète électrique, violente, impulsive, qu'il te faudra maîtriser. L'affectif sera ton domaine de prédilection. Cette année, la Lune aura beaucoup d'impact sur ta vie amoureuse. En avril, la Lune noire séjournera dans tes amours, mais elle ne sera que de passage. Rassure-toi, tes amours resteront bienveillants. À toi de réveiller la passion. Après avoir exploré les cieux, tournons-nous maintenant vers ton cœur. Découvrons ce que les astres ont en réserve pour ta vie amoureuse en 2024. Que tu sois en couple ou non, l'amour sera une de tes priorités. Te voilà enfin prêt à remettre les compteurs à zéro pour repartir sur de nouvelles bases. Tu ne manqueras pas de charme, de séduction et de charisme. Pourtant, il y aura des hauts et des bas dans ta vie amoureuse. Toutefois, ne t'attends pas à vivre des amours enflammés, tu serais déçu. Si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Amour, libido et séduction. Sache accueillir tes émotions. En couple. Voilà venu le temps de retrouver l'harmonie et l'entente. Quelle que soit ta situation affective, tu vas devoir concilier, faire face à tes obligations. Jupiter t'encouragera dans cette démarche. Mais le passage de la lune noire dans ton signe pourrait provoquer des incidents de parcours. N'en profite pas pour te jeter d'anciens griefs au visage, car cela ne durera pas bien longtemps. Évite toute forme d'égoïsme, garde le contrôle et les réconciliations n'en seront que plus agréables. Toutefois, il se pourrait que ta carrière ou celle de ton partenaire prenne le pas sur ta vie affective. Cela ne déstabilisera pas l'équilibre de ton couple, mais tu seras moins porté par la passion ardente. Heureusement, ton équilibre sentimental saura résister aux appétits sexuels. Uranus et Neptune t'aideront à te projeter dans un avenir serein. À toi d'user de tes potentialités pour assurer l'harmonie, la sensualité et le désir, tout en assumant tes responsabilités. Célibataire, nous allons voir ce que les astres ont prévu pour toi. Célibataire. Dès le début de cette nouvelle année, tu te poseras tout un cortège de remises en question, d'interrogations et de doutes. Mais tu ne trouveras aucune réponse. L'amour t'a déçu, tu te sentiras isolé ou incompris. Pourtant, plus que jamais, tu chercheras à aller à sa rencontre. Tu pourras compter sur ton charisme et sur ton charme pour favoriser les rencontres. Elles pourront se montrer passionnelles, mais instables sur les premiers mois de l'année. Les astres ne pourront que t'encourager à profiter du moment présent. En fait, ce seront plus les amitiés profondes qui te satisferont davantage, et c'est tant mieux. Par leur intermédiaire,
une rencontre pourrait venir te troubler et faire battre ton cœur. En prime, Uranus, qui est l'astre des coups de foudre, sera de concert avec toi. Laisse-toi tenter. Maintenant que nous avons éclairé ton cœur, voyons comment les astres influenceront ta vie active. Voilà une année de grande récolte qui s'annonce. Travailleur de nature, tu ne failliras pas à la tâche. Tu récolteras ce que tu as semé, bien au-delà de tes espérances. Toutefois, reste vigilant, car lorsque la récolte est bonne, les vautours ne sont pas loin. À toi de protéger tes acquis et de ne pas donner ta confiance aussi facilement. Ton travail. De la promotion dans l'air. L'année 2024 s'annonce très chargée. Aussi, tu n'hésiteras pas à mettre les bouchées doubles, à faire des heures supplémentaires ou à apporter du travail à ton domicile. Toutefois, le prix à payer sera un stress important. Travailleur de nature, tu ne failliras pas à la tâche et tu traverseras cette année avec courage et détermination. Tiens-toi prêt, un changement devrait avoir lieu. Uranus te réserve de belles surprises. Tout indique que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Bien entendu, tu auras quelques inquiétudes, car tout bouge trop vite à ton goût. Mais ne sois pas craintif, tu possèdes tous les atouts pour accepter ce retournement positif de situation. Tes finances. Garde les pieds sur terre. En 2024, ne compte pas sur la chance pour t'enrichir. La chose la plus importante sera d'avoir un budget et de t'y tenir. Tu ne pourras miser que sur toi-même et ton travail pour alimenter tes comptes bancaires. Méfie-toi des deux premiers trimestres, car tu pourrais commettre des erreurs de jugement en matière financière. Évite les grosses dépenses, les spéculations à risque, contente-toi d'améliorer ta situation. Vénus sur le troisième trimestre sera à tes côtés pour t'aider à faire des opérations sûres du long terme. Si tu envisages de construire ou d'acheter un bien immobilier, les circonstances te seront favorables. Pour finir ton année en beauté, ne te laisse pas submerger par tes goûts de luxe, reste pragmatique. Ta vitalité. Quand la santé va, tout va. En 2024, ton énergie sera en dents de scie. Seul le stress sera préoccupant, mais pas au point d'engendrer de véritables problèmes. Écoute les sages conseils de Pluton qui t'incitent à te poser ou te calmer. Tes émotions sont à fleur de peau, ce qui pourrait te rendre irascible. Il est vrai que ton activité professionnelle t'apportera son lot de fatigue et de tensions nerveuses, ce qui te rendra plus vulnérable. Pour pallier à ces inconvénients, surveille ton alimentation, fais du sport, respecte tes heures de sommeil. Pense-y, la santé est ta plus belle richesse. Protège-la. Toi et ta famille. On ne choisit pas sa famille, et pourtant... La vie familiale pourrait être bousculée par des conflits anciens, des non-dits ou des différends. Rassure-toi, ces problèmes ne te concernent pas. Alors, tiens-toi éloigné des personnes toxiques et mal intentionnées. Pratique la politique des trois singes. Tout voir, tout entendre et ne rien dire. Toi et tes amis. Des soutiens précieux. L'ambiance auprès de tes amis sera très agréable. Tu partageras avec eux de jolies parenthèses de plaisir et de joie. Tu pourras te permettre d'être toi-même et de souffler. Toutefois, l'écoute et la compréhension te seront demandées. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.